Chapitre 6, Fleur immortelle. Oh, et rien qu'à voir l'artwork, ça donne pas envie d'y aller. Après avoir été ramenée de la montagne, Haruka disparaît à nouveau. Cette fois-ci, elle semble suivre l'esprit de son ami Fuyui. Yuri se souvient d'une autre affaire non élucidée figurant dans le dossier d'Hisoka. Une femme disparue appelée Miyuhi Nasaki partie sur le mont Hikami à la recherche de sa mère. Yuri emporte le souvenir de Miyu avec elle, et elle part sur la montagne, espérant que la clé de toutes ces disparitions l'attend là-bas. Ok, bon, on est direct dans l'ambiance, très bien. Ça dit qu'elle est partie au mont Hikami à la recherche de sa mère. Je peux utiliser cette photo pour retrouver sa trace, elle devrait me montrer exactement où elle est allée. Alors ça fait longtemps que j'ai pas touché le jeu, donc va y avoir une phase de... je me rappelle plus des touches. Les autres, n'hésitez pas à me dire. Miyuhi Nasaki qui va à l'intérieur. Ah, par contre, si je peux ne pas claquer des films. Des films que j'ai limités. Aucun problème de mon côté, perso tout va bien, ok, bon bah écoute. On est obligé de se mettre à quatre pattes alors que t'as juste à baisser un peu la tête? Donc direction la gare. Attends. Le jeu m'a tourné, ok c'est là. Bonjour monsieur. Messieurs, dames, allez, paquez-vous s'il vous plaît, soyez sympathiques. Oula, Jacqueline est. Jacqueline est motivée. Allez, bouffe. 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 Et bouffe. Fais un truc. Merci. Ok, lui c'est out. Et elle aussi. Ah non! Ah, je mets ma main dedans! Très bien. Avec un item. Et le jeu dit va là. Mais d'abord là. Un autre item. Nah, c'est bon. Tout va bien. Rien à voir ici. La pancarte se trouvant au guichet automatique dit fermé. L'électricité a été coupée. Une affiche explique que le service a été interrompu. D'accord. On n'oublie pas qu'il peut y avoir des mains. Ça va. Et merci pour les 200 guilds, Abyss. Mauvais timing, désolé. C'est du live qui fait peur, coucou par ici. Mais merci à toi et salut, j'espère que tu vas bien. Un escalier étroit d'environ 1 mètre de large mène sur le quai. Il s'agit probablement d'un quai utilisé par le personnel et la maintenance. Ah, là, en fait. Ah, des films. J'y ai cru.
Des types 14. Oh, y a un truc qui brille dans la dans la rame. Les notes de Miyu. Ce n'est pas trop sale, on dirait même que ça a été écrit récemment. Peut-être que Miyu l'a laissé là. Ma mère est partie lorsque j'avais 3 ans. Je me souviens à peine d'elle. Elle m'a serré dans ses bras, puis elle a disparu dans le coucher du soleil. Je ne pouvais rien y faire, j'ai pleuré en regardant le coucher du soleil. Pourquoi l'ai-je regardé partir? Pourquoi l'ai-je laissé partir? Je ne peux pas me contenter de l'attendre, il faut que j'y aille. J'aurai des choses à lui dire quand je la verrai. J'avoue, celui-là a un petit peu plus marché. Merci pour le resub, Blue. Twitch, c'est pas ce qu'il veut, on sait jamais quand il reprend l'argent. Ouais, mais dans le doute, merci. Merci pour le 58e mois de sub, merci pour le soutien, merci infiniment pour la générosité. En voyant lui faiblement sur le tableau de bord, on dirait que le courant marche. Je peux me servir du point de contrôle pour mettre le téléphérique en marche. Eh ben faisons ça. Vous avez appuyé sur l'interrupteur. Le fric s'est mis à bouger. Dans le doute, je redonne de l'argent. Merci beaucoup, Blue. Bon, pour l'instant, ça va. Petite mise en jambe tranquille. Deux petits fantômes. Pas de main qui attaque. Pour l'instant, ça va. Sauvegarde automatique, je l'aime pas, hein, je vous le dis clairement. Ça, je l'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'on aurait par là? Une petite photo, rien? Non. Ah, rien du tout. Bon, il y a du loot à gauche. D'avoir des trucs ici. De la braise. Pour se sécher si besoin. De la vie. Par contre, il y a beaucoup trop d'objets à ramasser. Ouais, il me donne des braises, du soin, des films, ça va, je... Excusez-moi, mais il y a un moment où on est censé paniquer, là, je... Il y a un moment, ça pue un poil, quand même. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu la petite main qui vient nous empêcher de loot. On n'a pas encore eu, c'est quand même bizarre avec tout ce qu'on ramasse, là. Pardon? C'était quoi ça? C'était sûr! Jackpot d'objets, on te rince avant que ce soit terrible. Ouais, il y a des chances. Le grillage dit entrée interdite. Il y a des escaliers de l'autre côté avec une porte à leurs pieds. Il y a une chaîne sur le grillage, je ne peux pas l'ouvrir. Y'a rien à lire ici. Ah, quoique. Fermé, ouais, c'est la même. Bon.
C'est maintenant qu'on s'amuse. Ok. C'est juste un tout droit. Vers l'hôtel de la transition. J'imagine c'est par là-bas. En effet. Du coup, on va d'abord aller par là. Ce serait cool une map Phasmo dans un bois comme ça. Oh, ce serait terrible. Ok, il y a du loot là-bas. C'est quoi toute cette brume ici? Oh! Ok, j'avoue, celui-là, il est... Ouais. J'avoue, celui-là, il était... Il est... Hein? Voilà. Donc un film type 0. C'est les plus puissants, hein, voilà, je l'ai. Et merci Abyss du coup. Pour les 100 glisses supplémentaires. Merci beaucoup. Ok, donc là on change de zone. Ah! Putain, il y a vraiment un chemin là-dedans là. On ne devrait pas y aller, en tout cas pas pour l'instant. Bon, on a pu looter, on a un film type 0 qui pourra servir sur du boss éventuellement. Oui, hein, c'est le filtre, le film le plus puissant. Donc on va pas le claquer n'importe comment. Miyazaki qui entre dans l'hôtel. Il y a bien un chemin par ici. Examinez. Une corde est attachée entre deux grands cèdres. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce chemin? Ah! Autre zone. Ok. L'hôtel de la transition. Miyu se trouve à l'intérieur. Ouais, alors, potentiellement ce qu'il en reste hein, de Miyu. Enfin, je dis potentiellement, mais c'est même probablement. Et une prêtresse. Allons-y. Commençons. Ah, je mets mes doigts dedans. Oh. それがこの山に入ったのだ。サラサラ。
Red Joker et les Banshees. C'est par derrière. Mais d'abord, il y a du loot. Type 90, c'est bien ça. Bon, on s'équipe un peu là pour l'instant. Très joli ici. C'est vachement bien conservé pour un truc tout défoncé. Une grande boîte destinée aux dons. Pierre miroitante. Le rez en cas de mort. Bon, on a un truc qui descend là et une porte. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Un autre truc qui descend et une porte avec Miyu qui y va. Donc on va d'abord descendre. Ça me rappelle certains endroits de Project Zero 2. J'ai pas confiance. Mais alors, pas du tout. Bon, j'imagine que là, il va falloir un truc pour ouvrir la boîte. Et on sait que dans ce Project Zero, les boîtes, c'est pas... Voilà, c'est pas... C'est pas fou. La porte refuse de s'ouvrir. Une puissante force la maintient fermée. Très bien. La boîte à bobo, oui. Ce Project Zero est placé sous le signe des boîtes à bobo. Juste s'ouvrir, bon bah. Puisqu'on a le choix. Allons-y. C'est la seule porte ouvrable, ça? Je peux voir les feuilles à l'intérieur du couloir, on dirait la cour. Le couloir a l'air de longer le périmètre de la cour. Ouais, c'est bien feuillu là-dedans. C'est une statue qu'on voit au fond là-bas, là, tout au fond à droite. Parce qu'on dirait quelqu'un qui est assis. Je vais pas poser la question. Oh, il y a de l'eau en bas, j'ai pas envie d'y aller. Yeah.
La vieille femme à la porte. L'eau, ça se passe jamais bien dans celui-là, dans ce projet Xero. Non mais c'est lui. Ok, la cour est inondée en fait. Ouais, la cour est inondée. Une prêtresse! Bon, il y a une porte où on a vu la vieille passer. Il y a les escaliers avec l'eau. Là, il y a une porte, il y en a une derrière moi, plus le chemin qui continue. Oh, chier! J'aurais pas dû, j'aurais tellement pas dû. Ah, bah, pardon pour ce cliché, par contre. Excusez-moi, madame, C'est pas le cliché que je voulais prendre, à la base. Je peux pas mettre ma main dedans. Caméra, toujours une feature incroyable dans ces jeux. Ah oui, ça toujours, ça. Ça ne change pas. La prêtresse dans la pièce. Avec du loot. Deux loot. Ah, deux loot. Écrit sur le regard. Il y a un vieux texte sur le bureau. J'arrive à déchiffrer le mot regard. Le regard d'une prêtresse lui permet de voir les cœurs de ceux qui retournent à l'eau. Les prêtresses prennent leurs douleurs, leurs péchés et tous leurs secrets afin de faciliter leur passage. Les prêtresses dont les cœurs sont pleins deviennent des piliers. Les secrets emportés par les prêtresses sont scellés dans les reliquaires avec elles, afin qu'ils y restent enfermés à jamais. Ouais. Les types 61. Ah, je mets le doigt dans le mur. Ok, ça je peux pas y aller. Le mur est un fantôme. Ah, ils sont dans les murs. Tellement d'endroits où je suis pas allé. Hein. Du coup, ouais, il y a le chemin qui descend par là. Il y a la porte qui est là. Nous, on est encore là et là, c'est fermé. Il y a une porte à ma gauche. Et là, ça descend. Ça continue encore par là. Ah, bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis pas sur la bonne route, en fait. Oui, en soi, c'est une bonne nouvelle. What? Oh là, il y a des films...
On va mettre des types 14 pour l'instant. Film type 0. Ça pue, hein, je suis désolé, quand le jeu commence à nous filer des types 0, ça pue. La fleur immortelle. Il y a un vieux texte sur le sol près de l'autel. Il semble que cela concerne la fleur immortelle. Celles qui deviendront des piliers sont placées dans des reliquaires remplis d'eau noire. La prêtresse repose dans les eaux noires. Ce n'est pas la mort, mais un sommeil éternel. Elle ne vieillira pas. Elle restera la même, une fleur immortelle. Dormir dans les eaux noires amène des rêves de mort qui se répètent sans fin. Lorsque la prêtresse n'en peut plus, son corps se dissout et son rôle de pilier prend fin. Seules les prêtresses les plus fortes deviennent des fleurs immortelles. Cette souffrance éternelle nous rend éternels. Tel est notre rôle alors que nous apaisons la source de l'ombre. C'est une boîte à... Non, c'est pas une boîte à bobo, ça. Il y a un espace vide au milieu de l'hôtel, comme si quelque chose devait y être placé. Pour l'instant, je peux pas. Ah, ça, par contre, ça sent la boîte à bobo, ça! Bon, au moins, on a fait toute la route jusqu'ici. Étonnamment, pas de boss. On va remettre des filtres nuls. Des films nuls. Putain, ces ouvertures de portes, au secours. Des films nuls en cas de photos. On doit prendre rapidement. Ah, le jeu dit descend quand même. Mais il y a la zone avec l'eau où on n'est pas allé. Bon. Il y a carrément une barque, hein, c'est un... Alors, il y a du loot là, il y a du loot là-bas. On va remettre des filtres un peu plus costauds. Des films. Putain, j'y tiens mes filtres. Les porteurs de l'ombre. Il y a un vieux texte sous la fenêtre en treillis. Du coup, je suis plus du tout là. Là, j'ai parti. Avec ce don-là, moi, je suis parti sur FF, hein, je vous le dis. Ne touchez pas les eaux noires. S'immerger dans une telle noirceur revient à fondre et se décomposer. Seuls ceux qui souhaitent mourir peuvent endurer un tel supplice. Nous, les porteurs de l'ombre, sommes tous condamnés à mourir. Nous porterons les reliquaires et les immergerons dans les eaux noires jusqu'à ce que nous aussi nous décomposions. Les eaux noires ne doivent pas déborder.